Monsieur le sénateur maire, madame la conseillère départementale, madame la présidente de la communauté de communes du pays de Pontchâteau Saint-Gilles-des-Bois, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, les commerçants, les agriculteurs, les présidents et bénévoles d'associations, chers Missiakais, chers Missiakais, merci d'avoir répondu en nombre à notre invitation. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une excellente année 2017, pleine de bonheur, santé et réussite dans vos projets, avec une pensée particulière pour les personnes qui souffrent. Le contexte politique et économique est difficile et contraint. Une situation politique internationale incertaine, une Europe affaiblie, une France à l'arrêt, le terrorisme, un chômage qui bat tous les records, une dette abyssale, une agriculture qui souffre, une économie qui stagne, de plus en plus de pauvres, et là je pourrais continuer. Un souhait pour 2017, que nous devons tous avoir une société moins égoïste et plus fraternelle. Loin de refléter les résultats espérés, après les efforts que nous avons tous accomplis, il peut inciter à la morosité. Ce n'est pas le cas pour la municipalité de Missillac. Nous sommes résolus à poursuivre nos efforts afin de renforcer le dynamisme de notre territoire, avec toujours pour objectif une gestion saine et une fiscalité maîtrisée. 2016 a été riche en projets et réalisations, 2017 le sera tout autant. Le pôle médical. Le chantier de la maison de santé s'est achevé en décembre 2016. Ce sont 4 médecins généralistes, 3 dentistes, 2 cabinets d'infirmières et une orthophoniste qui ont intégré les lieux le 2 janvier 2017. Cette structure est un véritable pôle de santé au service de nos concitoyens. La station d'épuration. Débutée en avril 2016, la construction de la station d'épuration est entrée dans sa dernière phase. Des tests sont programmés en avril et mai pour s'assurer de son bon fonctionnement. Sa mise en service est prévue pour le mois de juin. Cet équipement est un investissement pour l'avenir puisqu'il influence le développement de notre urbanisation. Ce projet s'inscrit dans une démarche éco-responsable avec plusieurs procédés biologiques de traitement des eaux et boues. Pour rappel, l'assainissement collectif deviendra une compétence intercommunale en 2018. Le centre technique municipal, les locaux des services techniques municipaux seront déplacés dans la zone d'activité de la Pommeraie. Nous avons validé l'achat des terrains et le lancement des travaux est prévu fin 2017. Le pôle enfance. En 2016, nous avons réalisé les études et les passations de marché pour l'extension et la réhabilitation de l'école François Zolto. La première phase de chantier, l'extension, débutera en février et s'achèvera en décembre 2017. Puis les locaux actuels seront réhabilités pour accueillir l'APS Lindis, l'accueil des loisirs et de RASED. La fin des travaux est prévue pour décembre 2018. Ce projet phare a un coût global de 3 300 000 euros TTC. Le conseil municipal des enfants, installé en janvier 2016, les jeunes élus, mesdames et messieurs les conseillers, ont incité plusieurs actions au cours de leur première année de mandat. Acquisition d'un buste de Marianne, rencontre avec les personnes âgées, aménagement de nouveaux jeux au platane, installation et décoration des sapins de Noël. Investi et motivé, l'année 2016, j'en suis sûr, sera à nouveau plein de projets. La sécurité. De nombreuses réalisations ont eu lieu et se poursuivront pendant tout le municipe. Dans le centre-bourg, la protection des piétons et des personnes à mobilité réduite est renforcée par la pose de bornes. Un parking de 19 places est en phase de réalisation avec des liaisons douces entre la maison de santé, le village senior, la maison Saint-Charles et une partie du collège vers le centre-ville.
Ce parking sera opérationnel à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après, suivant les conditions climatiques. La rue de Villeneuve, les travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable se sont terminés en décembre. Courant mars, ces travaux se poursuivront par des cheminements doux, des places de stationnement, une limitation de vitesse et un nouvel enrobé et des aménagements de sécurisation. Le chantier devrait se terminer avant l'été, aux alentours du mois de juin. Dans le village de Bergon, la vitesse a été abaissée à 50 km/h dans tout le village et la réalisation des cheminements piétons s'achèvera prochainement avec un nouvel éclairage et des passages piétons. À l'heure où je vous parle, normalement l'éclairage est installé. Le cimetière. 2017 sera aussi l'année de lancement des études pour le nouveau cimetière. L'acquisition foncière a déjà été réalisée. Côté sport, un boulodrome sera construit en 2017 à l'emplacement des zones de jeu actuelles. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir le Tour de l'Avenir cycliste le 20 août prochain et le Tour de Bretagne cycliste traversera la commune de Missillac le 28 avril pour une arrivée d'étape prévue à Saint-Gilles-d'Allébois. Sur l'actualité que vous avez pu voir, c'est 10 brefs mensuels, 2 bulletins par an. Un nouveau guide des services fait en interne et en coopération avec les commerçants, puisque ce guide des services a été réalisé entièrement entre les services de communication de la mairie et les commerçants. Un nouveau panneau d'information a été installé sur la place de l'église, sans oublier le site internet qui aujourd'hui est opérationnel et fonctionne bien. Quelques chiffres en ce qui concerne Missillac. La population au 1er janvier 2017 est de 5214 habitants. Ce chiffre sera conforté lors du nouveau recensement qui aura lieu le 19 janvier au 18 février 2017. Merci de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs. 64 naissances en 2016, soit une augmentation de 18% par rapport à 2015. 133 autorisations d'urbanisme, dont 23 nouvelles habitations. 183 certificats d'urbanisme, soit une progression de 16% par rapport à l'année précédente. L'extension de la mairie, afin de proposer un service public toujours plus efficace et performant, un projet d'extension de la mairie est à l'étude. Ce bâtiment habitera de nouveaux espaces de travail, notamment au niveau de l'archivage, de l'espace des tentes et des services techniques. 2017 sera aussi une année importante en termes d'élections. Le calendrier sera endurant, avec des élections présidentielles le 23 avril et le 7 mai, qui sera suivie au mois de juin des élections législatives. Alors prenez votre destin en main et votez nombreux. Entreprises, commerçants, artisans, institutions, vous participez aussi au dynamisme de notre commune. Nous vous sommes tous reconnaissants pour vos actions qui renforcent l'attractivité de Missillac. Notre tissu associatif local est aussi un atout. Merci aux présidents, aux membres de bureau, aux bénévoles. Votre investissement contribue fortement à faire de Missillac une commune où il fait bon vivre. Je salue également nos sapeurs-pompiers, nos gendarmes, qui assurent chaque jour notre sécurité. Nous allons amorcer de notre côté une réflexion sur la mise en place de la vidéoprotection, sur les points stratégiques de Missillac, la place de l'église, les ruelles, les berganderies, le skatepark, le pôle scolaire et le pôle enfance et la rue de l'an 2000. Je remercie la directrice générale des services, Isabelle Wex, les responsables de service et l'ensemble des agents municipaux pour leur collaboration efficace dans la réalisation de nos projets. Je remercie les membres du bureau municipal, l'ensemble du conseil municipal pour le travail qu'ils accomplissent au quotidien au service des Missillacains. Enfin, je souhaite vous rappeler qu'en tant qu'élus locaux, nous sommes à l'écoute de vos attentes et que nous faisons de notre mieux pour y répondre. Mais notre mission reste avant tout de servir l'intérêt général. Merci de votre attention.